Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme chrétienne et africaine. Aujourd'hui, mesdames, je suis sûre que ce sujet va vous passionner parce que nous allons parler, mais vraiment d'une manière, je pense, que vous n'avez pas encore entendu jusqu'à présent. Alors, je vous invite de vous installer confortablement, prenez une boisson chaude ou une boisson froide et retrouvez-nous dans un instant. Le thème de cette conversation entre femmes aujourd'hui, c'est « Femmes et services ». Je crois, mesdames, que vous vous êtes sûrement posé beaucoup de questions. Par rapport à votre service pour le Seigneur, on va essayer de répondre à ces questions aujourd'hui avec Mama Audrey. Mama Audrey, bienvenue. Merci Nadège. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir avoir cet échange entre nous. C'est super de passer ce temps avec les sœurs. Et nous avons également Mama Janine qui bien sûr continue de nous soutenir ici dans le plateau de, de Malaïka. Absolument Nadège. Bonjour, bonjour Magali. Bonjour Mama Audrey. Bonjour, bonjour Janine. Mama Janine. Et bonjour à toutes nos téléspectatrices. Et nous avons bien sûr notre chroniqueuse Magali que je ne présente plus. Je pense <laughs> que tout le monde connaît Magali. Mais maintenant. Si, vous me même, <laughs> Merci de me présenter Nadege. Merci de m'accueillir. Bonjour à toutes. Et nous avons pour euh, le thème d'aujourd'hui une invitée spéciale qui nous vient de l'île Maurice qui est Kamla Pandou. Bienvenue Kamla. Merci Nadège. Je suis vraiment très contente de pouvoir avec, être avec vous cet après-midi. Voilà, justement, dont on, on, on parlait aujourd'hui de, de femmes et de services. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'en tant que femme, on a une place dans, dans, dans l'Église Comment on peut servir le Seigneur Jusqu'à quelle mesure on peut le faire Et justement, avant de rentrer dans le détail, on va contextualiser dans la rubrique de MAG. Alors Magali, on sait que tu as l'habitude de nous concocter euh, des petites <laughs> recettes personnelles avec des chiffres, du contexte, etc. Voilà tout Qu'est-ce que fait. tu as trouvé pour nous aujourd'hui comme d'habitude, quelques petits éléments d'éclairage qu'on peut voir ensemble. Et puis ensuite, bien sûr, Maman Audrey, Maman Janine, comme toi-même, pourra un petit peu réagir sur ce que j'ai trouvé. Alors, c'est vrai que quand on parle de la femme et du service dans l'église, on se rend compte quand même d'un constat dans le monde chrétien c'est qu'il y a une grande confusion quand même sur ce qui concerne pardon, le rôle de la femme dans l'église. Vous avez certaines congrégations où les femmes ont beaucoup de difficultés à se faire une place, alors que dans d'autres congrégations, c'est l'extrême inverse. Donc là, il y a des femmes qui dirigent l'église, etc. Donc voilà. Le Rôle de la femme est, est souvent euh, très euh, controversé. Voilà, c'est pas toujours très clair. Alors j'ai trouvé une petite, euh, allez, euh, mm. un petit vocabulaire. Ça y est, euh, on va on va apprendre voilà. un nouveau mot aujourd'hui <laughs> avec Magalie. Vous Mama allez Audrey. apprendre un nouveau mot, Mama Audrey, <laughs> J'espère que vous êtes prête. Dans le nouveau testament, il faut savoir que le mot ministère, c'est la traduction euh, du mot grec diacona, donc du verbe grec diaconeo qui signifie servir. Ah, donc, exactement. Euh, c'est important de, de le notifier. De retourne, de et de ces mots-là, et eh bien diaconéa, vous avez le mot diacre et diaconesse, évidemment. Et donc, c'est juste pour mettre un peu une signification sur les mots, parce que souvent on confond service, ministère, etc. Position, position enfin, on ne comprend plus rien. Donc, c'était bien d'avoir trouvé cette petite définition. Donc, vous êtes d'accord avec moi <laughs> Alors, euh, le service de la femme. Alors, est-ce que le Seigneur a prévu une place euh, spécifique, un rôle pour la femme dans l'Église euh, Quand Paul dit que la femme ne doit pas parler dans les assemblées donc, déjà, ça, c'est des questions aussi que les femmes se posent. Euh, Est-ce que ce rôle euh, de, de, la, de la femme et, et cette place, elles doivent évoluer dans le temps Peut-être que ce que disait Paul euh, à l'époque, euh, c'était pour les femmes de l'époque. Maintenant, euh, voilà, on est dans l'époque no moderne, euh, on a évolué, etc. Donc, le livre euh, des Actes nous montre en tout cas le rôle éminent de certaines femmes dans le développement de l'église vous avez Lydie euh, à Philippe on peut voir ça dans acte 16 verset 11 Priscille qui avec son mari euh, instruit Apollos dans la foi vous avez les filles de Philippe qui prophétisent euh, les épîtres de Paul nous parle aussi de, de nombreuses femmes euh, dont l'aide euh, était vraiment précieuse à l'apôtre Paul hein. vous avez Phoebe, appelée diacre et protectrice dans Romains 16 je n'invente rien, Priscille aussi qui était euh, collaboratrice, Evo 10, Saint-Tiche hein, également euh, collaboratrice, donc vous avez énormément de femmes, et puis Jésus lui-même était entouré de femmes, etc. Alors vous avez également, euh, pour euh, montrer un petit peu aussi le rôle de la femme, moi j'aime beaucoup euh, ce, ce verset euh, 10 du euh, chapitre 31 du livre des Proverbes où on parle justement de la femme vertueuse et je pense que ça s'applique à toutes les femmes en général euh, dans l'Église. On peut lire ensemble où il est dit Allez, non okay. seulement elle gère sa maison, veillant au bien-être de son mari et de ses enfants, mais elle commerce, elle achète, fabrique, vend, elle est influente dans la ville, elle ouvre la bouche pour donner des instructions, elle est citée en exemple, elle est considérée parmi les dirigeants de la ville. C'est quand même… Plus voilà. glorieux wow. qui est dit pour ouais, la femme euh, dans la parole de Dieu. Alors comment une femme, euh, Maman André, je suis sûre que vous allez nous éclairer sur le sujet ainsi que toutes les invitées présentes. Euh, comment dans ce contexte d'un pouvoir plutôt masculin, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, ce sont les bah hommes oui, non, quand même, euh, voilà, euh, <laughs> qui sont à la tête des églises et qui dirigent le peuple de Dieu depuis des générations. Alors comment une femme, elle peut euh, servir Dieu, surtout? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce verset dans 1 Timothée 2, verset 11 et verset 12 qui effraie toutes les femmes oui. en général. On se est est demandait est-ce que euh, certaines noté, se sont demandé si elle était misogyne <laughs> ou pas où il est dit que la femme écoute l'instruction en, en silence, silence avec une entière soumission. <laughs> Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, quand on entend ça, c'est vrai que c'est un petit peu flippant entre guillemets. On so se pose un petit peu de toi. questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, Mama Audrey, vraiment Alors par ailleurs, j'ai trouvé une petite étude euh, d'un site chrétien qui nous montre que 30 des personnes dans le ministère aujourd'hui sont, euh, euh, sont des femmes. Et c'est un chiffre qui est monté à 44% pour les promotions des cinq dernières années. Donc c'est quand même en recrudescence euh, euh, les femmes qui, qui sont euh, dans le ministère. Alors c'est un mouvement qui a commencé euh, dans les assemblées de dieu aux États-Unis ou bien d'autres euh, dénominations qui sont nées un peu euh, du réveil de la Pentecôte et qui ont ouvert en fait la porte au ministère euh, féminin bien avant que ce sujet devienne polémique, comme vous le savez, etc. Donc euh, voilà un petit peu. Euh ce que je, je pouvais dire super. sur ça. Et attendez ah. une dernière petite donnée, excusez-moi. Ah, ah, ah. Il faut savoir que euh, au XIXe siècle, les deux tiers des missionnaires c'était des femmes aussi. Mmh. Ah. Donc il faut savoir que les femmes aussi ont été euh, beaucoup euh, missionnaires et elles ont apporté la parole de Dieu dans beaucoup de pays, etc. Donc euh, voilà un petit peu euh, pour que... contextualiser. <laughs> Mais justement, justement, pour revenir euh, à, à la, au contexte africain et en on va faire un petit zoom sur Kinshasa. Comment ça se passe euh, le, la, la position de la femme dans les églises euh, aujourd'hui euh, au Congo Alors au Congo, on a beaucoup de femmes qui servent le Seigneur dans des églises, hein, aux côtés de pasteurs. Donc, qui remplissent le rôle de responsable bah, de sœurs, de responsable des mamans, parce qu'on on parle plus, plutôt de mamans là-bas, qui vont prendre ah. soin des sœurs, faire des visites dans les hôpitaux, à la maison, etc. Il y a aussi ce que Magali nous a contextualisé tout à l'heure, <laughs> des femmes aussi qui sont en responsabilité, qui ont des ministères aussi à l'Église. Donc, on trouve, on trouve les deux. Les deux cas ouais. Donc les, les femmes s'épanouissent dans l'église, elles peuvent trouver une place où elles sont utiles pour, pour le service Absolument. Dans certains cas, je présume, et dans d'autres cas, non. Alors dans certains cas, dans beaucoup de cas, en tout cas, des femmes que j'ai rencontrées qui sont des responsables de maman, elles, elles font vraiment l'œuvre de, bah, de prendre des réunions de maman, de suivre les sœurs. Et dans, dans certains cas, elles font de, le retour au pasteur. Ce n'est pas systématique. En fonction de ce que les sœurs vont leur confier, certaines sœurs dans les églises ne veulent pas que le pasteur soit au courant de certaines ah, situations. Oui, ça, c'est des choses qu'on rencontre à Kinshasa. Donc, dans ces cas-là, donc, elles vont prier avec. Euh avec la sœur ou avec le groupe de sœurs qui, qui, qui vont accompagner pour la visite, ouais. mais le pasteur n'est pas systématiquement tenu oh, oh. au courant de toutes les situations. – Mais est-ce que tu as aussi ce cas de figure justement de sœurs qui ne peuvent rien faire, justement, voilà, qui, sont, qui prennent ce, ce, ce verset de, de Paul à la lettre et qui disent, bah, voilà, vous êtes en silence, vous, vous ne faites rien, vous ne dites rien, etc. – as... Dans toutes les églises ce que j'ai pu visiter à Kinshasa, ouais. je n'ai pas rencontré de ouais. femmes qui… Dans, dans cette situation en tout cas. – D'accord. Mmh. – Justement, pour, pour avoir un, un témoignage vivant, on va, on va passer la parole à notre, notre invité du jour, euh, Kamla Pandou, donc, qui, est, qui est mariée, qui a deux enfants, qui nous vient de l'île Maurice, et qui a eu un parcours assez particulier. Kamla, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton témoignage de euh, avant, euh, je, je pense, dans les premières années de, de, de mariage, comment tu as pu trouver ta place auprès de ton mari, et ensuite après dans l'Église oui, ben quand on parle justement, je vous entends en parler de service et tout. Et je réalise que pour, pour moi, comment servir le Seigneur, bien, à un moment donné, c'est vrai, le salut était dans mon cœur. Je voulais faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais il n'y avait pas de l'ordre dans ma maison. Il n'y avait pas de l'ordre parce que quelque part, eh, comme je suis apte à faire beaucoup de choses et je peux faire des choses, et j'avais quelque part pas de, Parce que j'ai un mari qui a un caractère doux, qui est tranquille. Et je peux faire les choses un petit peu plus vite. Je dirais même certains moments, dans certains cas, mieux. Et je prenais sa place, mais sans réaliser, sans réaliser. Et j'étais, dans mon cas, j'étais sincère. Je voulais servir le Seigneur. J'aime le Seigneur. Mais je bénis le Seigneur pour, réellement, cet évangile que j'ai entendu, l'évangile de la croix que j'ai entendu, qui est venu comme une lumière à mon cœur, pour réellement me faire comprendre que Dieu est un Dieu d'ode et qui m'a emmenée réellement à pouvoir comprendre parce que quand je, justement quand on parle de soumission qui m'a emmenée à pouvoir me soumettre à mon mari à pouvoir le respecter à pouvoir être à ma place je dirais que pendant des années j'étais pas à ma place parce que j'avais pris la place de mon mari et aussi ça se reflétait dans mon service ah, parce que quand je servais le seigneur parce que j'ai beaucoup de frères autour de moi et dans la région en particulier que je savais le plus souvent et qui est comme dans un village dans mon pays, ben j'ai des, des frères et, et le pasteur qui est là-bas est assez doux. Juste, donc quelque euh, part, pardon de te couper juste pour noter les spectatrices, pour préciser donc Kamla, euh, tu es euh, diaconesse dans l'église et je donc tu travailles avec un, un, un corps de, de, de pasteur, c'est bien ça Voilà, je sais avec euh, avec dans, 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 avec les, les frères, dans, en soumission avec les frères. Et je soutiens justement cette vision qui est dans le cœur des serviteurs de Dieu. On vient, nous, en tant que soeurs, pour soutenir tout cela et pour servir. Et comme c'est important que je le mentionne, parce que pour moi, c'est très important de mon parcours, de ce que j'ai vécu bien sûr, bien par sûr. rapport à cette place qu'on parle, la place de la femme, c'est très important. Et quand je servais, ben, dans, dans ce, comme je vous disais, avec tout le monde, mais aussi dans ce village, j'étais très, très exposée parce que le pasteur est assez doux, assez tranquille et que je pouvais faire les choses assez vite. Mais au début, je ne connaissais pas mes limites, quoi. Je ne connaissais pas mes limites. Je voulais aller plus loin et, et, et je réalisais, avec cette lumière que j'ai reçue, que je n'ai pas cette place. Je n'ai pas cette place d'autorité. C'est incroyable, hein? Dieu m'a emmené pour servir, pour soutenir cette vision, pour être à ma place et pour servir dans une liberté. Je ne me sens pas bloquée aujourd'hui. Mais c'était, une révélation qui est venue dans mon cœur à travers de l'Évangile de la Croix que j'ai entendu, qui a fait une œuvre dans mon cœur pour me ramener à la place. Et à des moments, les gens, ils, ils, ils pouvaient voir ça d'une autre manière, de se dire Ah bon, ben pourquoi tu fais pas ça Je peux tout faire. Je, je... Oui, concrètement, ça, ça, concrètement, ça, ça ressemble ben, à je, quoi Je visite les sœurs, je prends soin des sœurs. Je fais aussi, il y a des réunions de sœurs et même internationalement. On bouge dans les pays, dans différents pays. Dernièrement, je sors de la Tanzanie, ça fait deux semaines, où on a animé une conférence de sœurs et on partage l'évangile, l'évangile qu'on vit. C'est pas juste une connaissance qui est de la parole de Dieu, ce n'est pas que des versets, mais c'est la, la puissance de l'évangile dans mon cœur, qui change mon cœur, qui fait une œuvre dans mon cœur et c'est ça que je transmets aux soeurs. Donc, c'est dans une liberté. Et moi, je, je, je voudrais vraiment donner cet exemple. Euh, pour dire que euh, on est comme une fleur et avant j'étais pas à ma place donc je ne pouvais pas m'épanouir oh, et, et avec cet évangile que j'ai entendu cela m'a emmené à être à ma place vous savez une fleur il faut le mettre dans le bon climat oui, il, faut euh, il faut faut, faut, y, a, y a plusieurs éléments oui, oui. qui font que qu'on qu puisse s'épanouir qu'on mm. qu voit réellement s'épanouir mais, mais dans cette soumission, je, je le dirai, je crierai à haute voix, je le dirai encore. C'est dans cette soumission que j'ai trouvé le bonheur et ma place que soit dans ma maison. Dans ma maison, c'est important. La maison doit être une havre de paix. Oui, bien sûr. Et on ne peut pas venir là parce qu'on connaît faire des choses et on va venir tout le temps avoir le dernier mot. Et, et ça ne m'empêche pas de pouvoir faire ce que je dois faire chez moi et de pouvoir aider mon mari, de pouvoir dire ce que je ressens de la part de Dieu, de bouger par le Saint-Esprit, de faire des choses. Mais tout ça... Si dans, dans ma place, dans cette attitude de cœur de soumission, et je crois que c'est la place qu'il faut que de toutes les femmes nous désirons trouver. Mais c'est vraiment, c'est un témoignage puissant, Maman Audrey, quand on, on regarde la, la, la vie, le témoignage de, de Kamla, on se rend compte en fait que en tant que femme, on peut être complètement épanouie, servir le Seigneur dans Plein de domaines, elle parle de, de partir en, en mission, euh, en euh, Un fait temps fait, du monde. Voilà, de, 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 mm. de, de tenir des conférences de sœurs, mais quelque part, la, la, la femme n'est pas limitée, si on peut dire ça comme pas ça. Pas du tout, et je pense que ce que Kamla vit aujourd'hui dans l'Église, ah ben, nous voyons l'Église de, de, des actes des apôtres, il y avait plein de femmes, et elles étaient comme une ruche d'abeilles, elles servaient le Seigneur de plusieurs façons, mais il n'y avait pas d'interférence. Mm. Elles étaient à leur place mmh. et on voit que le Seigneur euh, les utilisait d'une manière extraordinaire et il n'y a rien de meilleur, comme Kamla disait, de pouvoir, quand tu dis que qu'elle a pu séparer, on ne peut seulement s'épanouir que quand on est dans notre bonne place. Mmh. Parce que sinon, on, on marche dans notre propre chair, dans notre, dans, par notre propre faculté, par notre propre autorité et qu'il n'est pas souvent du Seigneur. Et cela nous emmène dans des situations que le Seigneur n'a pas prévues pour nous. Comment ça s'est passé aussi, juste pour nous donner un petit éclairage ben euh, Écoute, à au ce début, -là. De, quand, on a été, quand on a répondu à l'appel du Seigneur pour le ministère, c'était en plein mouvement charismatique. On avait une compréhension qu'on n'a pas aujourd'hui. Et à cette époque, c'était euh, le couple pasteur. Ah oui, c'est ça, c'est les, les deux Et qui partageaient. On, on partageait l'autorité. C'est-à-dire qu'il prêchait, je prêchais, euh, il, tout ce qu'il faisait, je faisais. Et finalement, ça a causé pas mal de problèmes dans l'Église, puisqu'il euh, était pris un peu en sandwich entre moi et les anciens. Et je crois que dans le cas d'Esther et de Vasti, c'était exactement ça où le roi a dit, écoute, si on laisse ça passer, ça va donner l'exemple à toutes les femmes de l'Église, à toutes les femmes de... Euh, de, de du de, de, royaume, oui. qui vont croire qu'on ne doit plus se soumettre au roi. Mm. Ah, C'est un peu le, le même cas, c'était un mauvais exemple pour les sœurs, et le Seigneur a eu à faire une œuvre dans mon cœur, pour me faire comprendre, de prendre ma place, puisque dans le naturel, j'ai beaucoup plus de capacités que lui, euh, je peux faire beaucoup de plus de choses que lui et à la fois. <laughs> Précision. Ça, c'est pour nos sœurs qui sont euh, multitâches. Non, mais écoutez, ça, ça, le Seigneur nous a créés comme ça. Voilà, justement. C'est une se vérité, vérité Maman Audrey. Et fait, puis, on fait, on fait. Les hommes, ils sont un peu one task. Oui, une seule tâche. Euh, ouais. Ils ne font pas autant. Euh, ils n'ont pas autant de capacités que nous. Mais nous, on peut faire plusieurs choses à la fois. Mais malheureusement, euh, ça nous emmène parfois. Euh, ajouter un regard de mépris chez des hommes, aller trouver lent, aller trouver ceci, aller trouver cela. On est impatients, mais ça peut causer des frictions, ça peut causer des frustrations, et, mais ça n'emmène aucune solution. Mais quand on reconnaît et qu'on arrive à s'adapter, moi, mon plus gros problème euh, dans ce domaine a été d'avoir à m'adapter à mon mari. À aller à son rythme, en fait À m'adapter, à l'accepter comme il est, puisqu'on connaît tous la même chose le mari essaie de changer la femme, parce oui. que ça va trop vite. C'est ça. Et nous, on essaie de changer le mari puisqu'il va trop doucement. Voilà. Et euh, oui. on pense très vite. Oui. On, a déjà, on est arrivé là-bas, ils sont encore ici. Oui. Bon, Exactement. Tu sais de quoi je parle <laughs> Je m'identifie. Et, et, <laughs> et ça nous emmène parfois à manquer un peu de patience. De, mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter et réaliser que le Seigneur les a fait comme ça. Et que pour notre propre sécurité et pour notre propre épanouissement, on doit se trouver à notre place. C'est un du reste, Pierre nous appelle le sexe faible. Euh, on a besoin d'être proté protégé, sinon, pas attiré à mille à l'heure, on irait dans toutes sortes de directions et ça ne peut pas aider à la construction d'église. Mais, mais en même temps, il y a certaines femmes en Afrique justement qui se retrouvent un petit peu écrasées euh, sous cette position. Pas la volonté de Dieu non plus. Voilà et qui peut-être n'arrivent pas à s'épanouir dans le, dans, le, 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 dans leur service tout simplement de se dire mais peut-être que je ne peux rien faire parce que je suis une femme, parce que justement je n'ai pas je pas de il y a grande manque responsabilité, de lumière etc. Dans les deux ah. sens, on voit deux extrêmes, on voit souvent euh, des femmes qui ont pris tout en main et les, les hommes qui prennent un rôle de deuxième main, de deuxième ça. place, oui. où on voit les femmes qui sont totalement écrasées par un manque de révélation et un manque de lumière, mais ce n'est pas le cœur du Seigneur. Si on regarde, je disais, le livre des actes, on voit les femmes à l'œuvre euh, du temps de Jésus. Il y avait des femmes qui pourvoyaient aux besoins de Jésus à partir de leur propre argent. Ils pourvoyaient aux besoins de Jésus. Donc elles travaillaient. Dans le livre de, de l'Évangile de Luc, cela est mentionné. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, du reste, au jour de la Pentecôte, les femmes étaient là autant que les hommes. Mm -hmm. Elles attendaient le Saint-Esprit. Donc la promesse était pour elles autant, pour, que, autant pour les que, hommes. que pour les hommes. Voilà. Les promesses de Dieu sont les mêmes pour les femmes comme pour les hommes. La foi est la même pour les femmes comme pour les hommes. Il y a des rôles extraordinaires que nous pouvons jouer. Euh, je crois qu'il y a une compassion dans le cœur de la femme euh, qu'on ne trouve pas bien souvent dans le cœur de l'homme. Mais il y a une sagesse, je dirais bien souvent, dans la vie des hommes. Voilà et une profondeur qu'on ne retrouve pas euh, chez la femme. Moi, je, je, je respecte quand je vois la relation de mon mari avec le Seigneur, je réalise que c'est une autre dimension de, de, de ma relation mmh. avec le Seigneur. Euh, Peut-être pas Kamla. Kamla, je vois que c'est à peu près pareil. <rire> <rire> Kamla, tu veux répondre <laughs> Mais euh, je réalise que avec ce qui se passe dans le monde, la, la, la compréhension du monde, le, les, les messages qui sont véhiculés, ben, tout est fait pour encourager la femme euh, de se mettre au même niveau que l'homme. Mmh. Oui, justement. le un féministe. Tout à fait, en fait, pour rebondir sur ce, ce que vous dites, euh, Maman Audrey. Il y a, il y a aussi euh, le cas de, de femmes qui se disent « les hommes ne font rien ». Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont lassifs, euh, voilà, qui, qui, qui n'agissent ouais. pas euh, vraiment dans l'Église. Et euh, moi, j'ai eu d'ailleurs le témoignage d'une amie à moi qui me disait ben, « voilà, les frères dans mon Église, ils ne sont, ils sont pas actifs. Donc, faut que chose, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, qu'il faut bien que l'Église fonctionne, etc. » Donc, voilà, je, je fais les choses. – Il n'y a pas de problème aussi, donc, aussi longtemps que c'est fait avec la bonne attitude. Okay. Que on ne veut pas une autorité que le Seigneur ne nous a pas donné. Parce qu'à ce moment-là, on prend cette autorité, elle est de la chair, elle n'est pas de l'esprit. – Donc en fait, okay. si je comprends bien, elle, cette dame en question, elle peut faire ce que le Seigneur met sur son cœur, mais en relation avec l'équipe qui en est de coeur, Et en gardant la bonne attitude de cœur. – en gardant la bonne attitude. – Réalisant qu'elle qu est sa place, qu'elle n'est pas appelée à prendre des choses, elle n'est pas appelée à exercer de l'autorité dans l'Église. Mais on peut faire beaucoup de choses sans exercer de l'autorité. Comme quoi, par exemple, par exemple ah ben, Je peux encourager une sœur, je peux partager l'évangile, je peux prier pour les malades, je peux soutenir des veuves, je peux aimer des enfants, je peux encourager les enfants. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. C'est le cœur avec lequel je le fais et l'attitude avec laquelle je le la fais. Parmi, oui, parmi les remarques que j'ai souvent entendues à Kinshasa, de femmes qui sont responsables de sœurs, mm -hmm. c'est que qu'elles voient par exemple des choses dans l'église. – Que le pasteur ne voit pas. – C'est possible. – Et souvent, elles sont, euh, j'ai ressenti comme une certaine forme de frustration. frustration. – ouais, Parce que ce qu'elle a dit, on ne les écoute pas. – Voilà, qu'elles ne sont pas entendues, Et alors que ce sont des choses que Ils parfois le Seigneur, Seigneur leur montre. Ouais. Et, et dans ces cas-là… Bon, – il, il y a deux choses, il se peut que ce soit le Seigneur qui leur montre, ou ça c'est peut-être par le Seigneur aussi. Parfois, euh, encore une fois, j'étais à l'église dimanche, et là, je suis arrivée tout de suite, j'ai vu que le plafond avait coulé. Ben je vous assure qu'il y avait plusieurs frères et sœurs qui n'ont rien vu. C'est mmh. pas dire que c'est le Seigneur qui m'a montré. Oui, bien sûr. Euh, si c'est un regard pratique. Mmh. Voilà. Donc il y a bien des choses, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'Église. Ce n'est pas nécessairement le Seigneur, c'est mmh. visible à tous, mmh. mais ce n'est peut-être pas une priorité à ce moment précis pour les anciens. Et rien n'empêche que la sœur partage aux anciens ce qu'elle croit que le Seigneur l'a montré et l'a conduit, mais. La, la décision finale, finalement, leur revient. Parce que la responsabilité finale de toutes les décisions, ils ont, eux, à rendre compte au Seigneur pour ces choses. Maintenant, si ce qu'il a vu du Seigneur, il n'écoute pas, elle est, elle est claire dedans, ses mains sont propres. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Exactement. Eux, ils ont à rendre mmh. des comptes au Seigneur, oui, oui. mais elle ne doit pas se avoir une frustré, frustration pour autant. Exactement. Mmh. Donc en fait, en, en tant que femme, on, on, est, on a presque le beau rôle, si je peux dire. C'est un juste euh, une, une liberté euh, sans avoir le poids, le fardeau de, de la grande responsabilité du reste. Du, du reste, le voilà. Seigneur nous demande une seule chose, de nous soumettre à nos maris ou aux dirigeants. Mais le mari, lui, il doit nous aimer comme Christ aimé l'Église. Ah ah bah, C'est pas facile ça. <laughs> C'est quand même euh, quelque chose de dix fois Ouf. plus c'est demander beaucoup plus de sa vie, c'est demander beaucoup plus de, 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 de se renier lui-même, de renoncer à ses droits, de mourir à lui-même. C'est quand même un rôle... C'est quelque chose d'autre que le Seigneur demande à l'homme comparé à la femme. Mais n'empêche que nous, les femmes, on a le champ libre. Mm -hmm. On peut faire. Moi, je suis complètement libre de faire ce que le Seigneur met chez mon cœur. Si un jour je sens que le Seigneur. Voilà, j'ai une soeur qui est partie dernièrement pour des raisons de santé en voyage, mais je ressentis sur mon cœur que ce serait bien que je l'accompagne. J'ai tout fait pour m'habiller d'avion. Bon, j'ai pas eu place en avion, mais bon, euh, mais j'étais totalement libre de dire à, à, à Mickey Écoute, euh, j'ai à cœur et il respecte 100%, il me soutient, il n'a aucun problème. Mais je pense que dans beaucoup de cas, les hommes se sentent menacés. – Voilà, c'est ça, j'allais parler Par les de ça aussi. – Et ils sont ça, défensive. C'est ça, il n'y a, ce, ce, a pas cette écoute aussi de ce que peut-être la femme peut ressentir, peut Parce que bien souvent, comme Kamla, la femme n'est pas à sa place. Ah, Donc beaucoup de choses okay. sont à posées mm -hmm. sur l'homme et il ne vit pas ces choses bien et il les avale de travers et bien souvent, c'est cette menace qui fait qu'ils ne sont pas à l'écoute et qu'ils euh, ils ont la difficulté à accepter. Mais quand cette relation est à sa place, mm -hmm. je ne crois pas que l'homme aurait un problème euh, de recevoir quoi que ce soit, d'accepter, puisqu'il est ouvert au Seigneur. Mais en Afrique, il y a quand même cette réalité, et même que les, les hommes, les serviteurs de Dieu, c'est eux qu'on l'appelle, c'est eux qu'on le ministère. Et bien souvent, la femme peut avoir même quelque chose de, de l'esprit du Seigneur, mais... Elle n'est pas écoutée. Ils vont pas être sensibles, elle va ça. pas être écoutée parce que ils partent du principe que le ministère c'est eux qui l'ont. C'est vraiment d'Abraham puisque c'est sûr que même le Seigneur a dit à Abraham fait tout ce que Sarah, Sarah te dit dans le oui. cas de d'Agar. Euh, c'est sûr que le Seigneur, que les femmes sont très sensibles à cet esprit, oui. Et encore une fois, c'est un manque de lumière. C'est un manque de lumière. De toute façon, les églises n'auraient pas dû être dirigées par les pasteurs. Il y aurait dû y avoir des codes anciens. Euh, même chez nous, euh, les femmes, euh, bien souvent, mais qui parlent femmes écoutent leur cœur pour savoir, parce bien souvent, justement, elles sont au courant des choses dans l'église que les anciens ne sont pas au courant. Parce que les femmes partagent avec les femmes. C'est ça, c'est ce, ce que peuvent dire. Il y a une relation. Aider. Elles peuvent aider. Mm. À, à Dans certains cas, moi, je sais que des femmes me parlent de certaines choses que moi-même, je n'ai pas la solution. Et j'aime bien en parler à Mickey pour dire écoute, voir ce cas, voir ce que j'ai conseillé, mais est-ce que c'est bien ce que j'ai dit Puisqu'il y a peut-être autre chose. Et que nous, on ne le voit pas. Mmh. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait la force d'un couple. Quand chacun est à sa place, c'est extraordinaire. C'est pour cela que l'ennemi, il attaque les couples. Mmh. Parce que c'est trop beau quand un couple, chacun est à sa place mmh. pour servir le Seigneur. Merci, Maman Audrey. Malheureusement, le, le, le temps nous est compté, on aurait pu développer encore. C'est sûr, il y a tellement à dire. Il y a dire, tellement à dire. Mais malheureusement, on va devoir passer au mot de la fin. Ben, C'était très encourageant, Messia, d'être avec vous. Et j'espère qu'une petite lumière est venue dans votre cœur et que vous avez été, vous aussi, encouragé de réaliser que vous avez une place de choix dans l'Église du Seigneur et qu'à Tellement de choses que le Seigneur met à part pour chacune d'entre vous et surtout ne pas vous sentir inférieur ou menacé car ce n'est pas le cœur du Seigneur et ce n'est pas comme cela qu'il vous voit. Donc continuez à nous écrire, faites-nous part de vos luttes, de vos difficultés, envoyez-nous vos questions et c'est une joie pour nous de pouvoir vous répondre et de vous aider dans la mesure que nous pourrons. Donc on se revoit certainement encore jusque-là, continuez à servir Jésus et au contraire, servez-le davantage. Merci Mama Audrey, merci Mama Jeannine, Magali et bien sûr Kamla qui a fait le déplacement pour nous. Et bien sûr toutes celles qui nous suivent depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Merci vraiment de, de votre fidélité à nos programmes et surtout soyez encouragés. Vous pouvez être une femme, vous pouvez être africaine et vous pouvez servir le Seigneur de tout votre cœur. Bonjour.